Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va parler du Legends Festival, mais je suis en compagnie pour parler de tout cela avec le frérot Tariwara. Comment tu vas? Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, donc ça va très bien. C'est merci vrai. À toi, merci de l'invitation pour parler des formations de Dragon Ball Legends. Hein. Dragon Ball Legends. Ouais, Dragon Ball Legends. C'est genre. Vrai, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, bah écoute, t'es le bienvenu. Merci à toi pour l'invitation. Oui, les amis, il est chez moi parce qu'on habite pas très loin l'un de l'autre. Et du coup, je voulais avoir Tal Rino pour cette vidéo car on va parler du Legends Festival, théorie, personnage et également qui pourrait arriver avec. Bon, de fortes chances de voir du Dragon Ball GT, on va pas se mentir, je pense que j'ai compris. Oui. Voilà, clairement les gars, c'est quasi officiel, hein, à 99,9%. On va tout expliquer dans cette vidéo. Déjà, premièrement, Talarino était un gros joueur Dragon Ball Legends, et là, du coup, tu as délaissé le jeu. Ça fait un petit moment que j'ai arrêté de jouer au jeu, okay. Mais je l'ai pas supprimé. Mais, ah. Voilà. Parce qu'on sait jamais, voilà. Sur un malentendu, c'est une petite même... passe D, tu vois. Voilà, c'est quand même un coup de cœur ce jeu, ouais, malgré ses défauts, on va pas se mentir. Mais je l'ai pas supprimé, donc potentiellement, je vais revenir s'il y a quelque chose qui me donne envie. C'est ça, c'est ça, voilà, donc je pense que c'est pas le seul, je sais très bien qu'il y a également d'autres personnes dans le même cas que Tal Rino, et c'est légitime, hein, en soi c'est normal, hein, il en faut pour tout le monde, les goûts et les couleurs, et justement en parlant de ce Legends Festival, les amis, eh bien on va aller directement via mon compte Twitter. On a vu quoi? On a vu comme quoi il y a eu une annonce officielle sur le compte officiel Dragon Ball Legends, hein, sur Twitter, comme quoi on va avoir un nouveau Kid Goku GT à farmer. Donc ça, c'est gratuit, d'accord? C'est plutôt une bonne nouvelle. Quand il y a des persos gratuits, en soi, c'est cool. Ça fait des persos dans la box. C'est gratuit, on prend. Et c'est vrai que ça fait Kid Goku. On a eu le Super C17 GT qui était également à farmer gratuitement. On a eu le Zenkai de Pan GT. On a eu le Zenkai de Goku SSJ 4 type vert GT. Donc là, on est clairement en train de nous orienter vers une team GT pour le Legends Festival. Et c'est là où ça va être intéressant parce que forcément, qui dit team et GT, bah moi pour le Legends Festival, j'avoue, un petit tag Goku SSJ 4, Vegeta SSJ 4, LF, ça me ferait craquer. Toi, t'en penses quoi, toi, du coup, d'avoir un tag des CJ4 et tout? Bah, franchement, ça serait très intéressant. Et par rapport aux, ce qui publie dernièrement, ce qu'ils mettent dans le jeu, c'est vrai que ça laisse croire que ça va être ça, clairement. Ah oui, non, mais clairement, là, pour moi, à 99,9%, on s'oriente vraiment, du moins pour la première partie. Après, on va parler de la deuxième partie, troisième partie, etc. Mais du moins, pour moi, pour la première partie du Legends Festival, ça sera accentué sur la Team GT. Et en soi, c'est une très bonne chose, parce que la Team GT... elle a disparu. Clairement, dans le jeu... Je peux pas dire. Ah oui, bah, ouais, tu vois, tu joues pas actuellement, mais... Ouais. Non, clairement, elle est vraiment à la ramasse. Il y a vraiment besoin d'un gros boost pour la Team GT. Dites-le-moi, vous aussi, dans l'espace commentaire, hein, si on est d'accord. Voilà, là, j'avais filtré par Team GT sur les persos Sparking EX. Et en soi, on... bah, il n'y a pas des masses, hein, tu vois, c'est un peu à la ramasse, tu vois. Là, on avait le Gogeta SSJ 4, ils ont essayé de le faire revenir sur le devant de la scène avec le Zenkai, enfin l'éveil Zenkai du Goku SSJ 4 type vert, mais pff, clairement, là, avec l'arrivée de Piccolo Pan et le Gohan Beast qui a tout retourné dans le jeu, J'en ai entendu parler de ça. Ah ouais, non, mais ouais, c'est un délire. Ah, si jamais tu n'as pas le personnage, si jamais tu serais en train de jouer au jeu et que tu n'as pas Gohan Beast, tu ferais même pas de PVP. Ah non, mais c'est aberrant. Et, attends, oui, alors, dis-moi. Je te coupe vite fait. Quand je joue au jeu, il y avait une période aussi où la Team GT, elle était un petit peu mise sur le côté et qu'elle avait été rehaussée au fur et à mesure c'est avec vrai. La sortie, mais il n'y avait pas le Gogeta SSJ 4, etc. Ça. À l'époque. Mais ça me refait un petit peu penser à cette période-là dans le jeu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, souvent la Team GT, tu sais, on donne les persos au compte-gouttes. Mmh. C'est vrai que Gogeta SSJ 4, on l'avait eu à l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends. Et depuis... plus rien, même tu vois, je parlais un petit peu du Kid Goku type VR, j'aimerais bien qu'il est sur Zenkai parce que lui à l'époque j'aimais bien le jouer. Voilà, les blasts en début, ouais, franchement, on s'en souvient, ça faisait mal, ah, ça cognait les frères, pour ceux et celles qui connaissaient déjà le jeu à cette époque là. Et après, on a également Super Baby qui pourrait obtenir son éveil Zenkai lors de cette fameuse célébration
du Legends Festival pour la première partie, pour avoir son Evei Zenkai, accompagné justement du tag SSJ4 de Goku et de Vegeta en LF. La cerise sur le gâteau, ça serait la fusion in-game. Là, voilà. C'est magnifique. Voilà. Ça te fait revenir, ça. Ça, je pense, ouais. Je pense, voilà. Ça, c'est vraiment le type de mécanique qui, je parle moi déjà de mon côté depuis le début du jeu, qui me ferait kiffer. Et bah, quand ça va arriver, je pense que ça va faire beaucoup de boost au jeu. Je pense que tout le monde. J'avoue. Et d'ailleurs, t'as vu une théorie là-dessus qui était vraiment pas mal. Mmh. Vas-y, je te laisse dire ta théorie. Écoutez bien, c'était vraiment très intéressant, sa théorie de la fusion in-game de la part de Talarino. Vas-y. Alors, moi, j'en parlais déjà depuis le début du jeu, pendant les 6 premiers mois, voire la première année. Quand je jouais de mon côté, j'en parlais lors de mes lives, que ce qui me ferait kiffer sur ce jeu, c'est la fusion in-game de la façon suivante. Par exemple, sans sortir directement le personnage fusion, tu prends un portail. Par exemple, on va dire Goku et Vegeta de l'arc Buu, au moment où ils affrontent Super Buu, quand il absorbait Gotenks, et après Gohan avec Vegeta. Quand ils affrontent Buuan. Voilà, en gros, cette partie-là. T'as un portail avec Goku et Vegeta, donc deux personnages à invoquer, à obtenir forcément pour utiliser cette fameuse mécanique que je vais vous expliquer dans quelques secondes. Du coup, tu les mets dans ta team, t'as trois personnages comme d'habitude, t'as le fameux Goku du portail et t'as le fameux Vegeta du portail. Dans ta team, en combat. Voilà, après, on va mettre de côté les statistiques et ce qu'ils font dans le jeu, parce que c'était juste un exemple brut. En gros, quand t'as Goku, par exemple, t'actives ta carte verte, et il y a une petite animation où il met sa potala. En activant la carte verte, voilà. Ça c'est intéressant. Par exemple, tu le fais venir quand Goku rentre sur le terrain et il a une carte verte ou l'un des deux personnages pour pas que ça soit trop. Ou Vegeta, facile. Ouais. Pour pas que ce soit trop abusé pour l'invoquer facilement après pour ce qui va se passer après. Du coup, tu switches, tu prends Vegeta, t'actives la carte verte et il fait ça. Et quand les deux ont activé leur carte verte, forcément ça déclenche l'animation avec la fusion. Donc du coup, les deux personnages fusionnent. Incroyable. Ça te donne un personnage. Bon, après, t'as des restrictions dans le sens où tu perds un personnage, mais ce personnage serait plus puissant. C'est ça. Il ferait en sorte de faire un truc pas trop abusé non plus, pour que ce soit jouable pour l'adversaire aussi. Abusé avec les devs, quand on voit Gohan Beast, ça les dérange mais pas. Par exemple, la puissance de ce fameux Gohan Beast, ça aurait pu être le résultat de cette fusion, tu vois, si elle existe. C'est tu vois, ça aurait été cohérent. Que là, est-ce que c'est cohérent? Non, il n'y a pas de cohérence. Mais voilà, ça c'était une idée que je pense depuis le début du jeu. Mais c'est très intéressant comme idée. Hein. Donc voilà, avoir Goku ou Vegeta dans sa team. T'as Goku, tu fais la carte verte, il met une petite potala. Ensuite, tu switches au cours de la game avec le Vegeta. Pareil, carte verte, il met la potala. Bim, t'as fait les deux cartes vertes des deux personnages. Bim, fusion in-game, tu vois arriver Vegeto. Ou alors, dans ce cas-là, la fusion Metamol pour un Gogeta. Bah, franchement, je trouve ça vraiment très stylé. J'ai aussi l'idée, si tu veux, pour Vegeta pour Gogeta. Ah, vas-y, ça nous intéresse. Le même principe, tout simplement, okay. T'actives la carte verte. Par contre, ça serait peut-être un petit peu plus différent, la manière de faire, vu que c'est la fusion Metamol, et du coup, il faut une manip supplémentaire, dans le sens où il faut qu'il fasse la fameuse danse. Du coup, les fameux mouvements. Et du coup, quand t'actives la carte verte, on peut faire en sorte, je pensais cette idée, mais elle va peut-être pas être très appréciée dans le sens où ton personnage se met de côté, genre il est prêt, genre je suis prêt à faire la fusion, tu prends l'autre personnage, t'actives la carte verte, hop, ça déclenche l'animation, et du coup, les deux personnages vont dans un autre plan, ils font la danse de la fusion, mais t'as l'autre pour faire la fusion, ça fait la fusion et ça te donne le même principe. Mais vu que tu vois, c'est faut être prêt pour faire la fusion, ou même tu peux le laisser en jeu. Voilà, ça peut être un petit système différent pour pas que ce soit ressemblant. Ça peut être pas mal. Ou alors, après, attention, c'est moi qui donne la théorie, en reprenant ce que dit Talarino, qui est vraiment très intéressant, tu fais une carte verte avec Goku. Goku demande à Vegeta, donc petite cinématique, hein, Goku demande à Vegeta de fusionner, et Vegeta dit non. Ouais. Et ensuite, c'est quand t'as la carte verte avec Vegeta, tu la rappuies, et Vegeta dit, allez, vas-y, viens, on n'a plus le choix. Ouais. Et du coup, tu les vois faire la danse. Ça c'est incroyable. Ouais. Franchement, c'est stylé. Toshi, hein, Talarino, Sophie Mugi. Voilà. Donc voilà, un petit peu pour la Team GT. Maintenant, attention, ça c'était pour la première partie. On pourrait également avoir un super baby qui pourrait arriver, peut-être même avec LF en Ozaru baby. Ça serait possible, J'avais bien, il y a l'époque. Exactement, qui accompagnerait justement le tag SSJ4 pour la première partie. Deuxième partie, les amis, je pense qu'en décembre, on aura un nouveau perso Ultra, comme ça avait pu être le cas l'année dernière avec le Gogeta Ultra qui était arrivé. Eh bien là, je vais vous montrer, il y a eu un fan, il a fait un taf de fou. On l'a vu avec Talarino, c'est oufissime, c'était sur Twitter les amis, et je vais vous montrer ça. Hop, voilà, normalement, voilà, c'est juste là. Regardez-moi ça. L'ultra de Vegeto Blue. Mais c'est une masterclass qu'il a fait. Vraiment, c'est incroyable.
regardez, admirez. Magnifique. T'as l'impression que c'est dans le jeu direct. Ah ouais, on a l'impression que c'est un truc officiel. Clairement, c'est, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, voilà, voir arriver Vegeto Blue Ultra pour la deuxième partie du Legend Festival, avec Goku et Vegeta derrière. Oh là 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 là, là franchement, c'est magnifique. Moi, franchement, j'avoue, ça, c'est classe. Ça, ça te ferait revenir ça, sur ça jeu. Me refait revenir tout de suite. Ah là là, ça, ça me refait revenir tout de suite. Voilà, moi, ah, ouais, fanat c'est... du Vegeto déjà de base, mais ouais, franchement, ah, il est magnifique, y a moyen hein. de revenir fort. Ah, il est magnifique, franchement. Et j'en ai vu des fan-made comme ça de Ultra, personnellement, ils sont très bien faits. Mais là, mais celui-là, je pense il... celui-là, c'est le plus, enfin, ah ouais, le plus non, propre. Celui-là, il est vraiment j'avais propre. J'avais vu aussi celui du Gohan, je crois, SSJ2. Oui, c'était Shaito qui l'avait fait, il était très propre aussi. Il était très très beau, ouais. Mais préférence non, pour celui-là. Celui-là, j'avoue, ouais. Là, le mec, là, il a fait. Ah, il tout, a fait est, tout est dans. Et dans enfin, c'est tout on dirait c'est dans officiel. Dans les skills DB Legends, quoi. Et. On se demande si même des Belges pourraient faire aussi bien que celui-ci. Ouais. C'est là où je si me en font un pose ça, la question. Va être aussi beau et c'est aussi ça. Bien fait que celui-ci. C'est ça. Dites-le nous aussi dans l'espace commentaire ce que vous pensez justement de ce Vegeto Ultra fait par ce fan. Franchement, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, les amis, n'hésitez pas également à aller vous follow à mon compte Twitter. C'est @sofianlegeek. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, ça c'était pour la première partie, deuxième partie. Ensuite, s'il y a une troisième partie, on pourrait avoir quelque chose autour de Dragon Ball Super, d'accord ? Tournoi du pouvoir. Moi, je pense également à un Goku Tag Freezer à la fin du tournoi du pouvoir. Voilà. Ça serait pas mal également. Voilà. Beaucoup... Enfin, moi, à l'époque, quand je jouais encore, je l'attendais ce personnage. Moi aussi, hein, je l'attends déjà depuis un moment. Hein. Donc avoir ça, ça serait bien parce que en plus, ça permettrait d'avoir, entre guillemets, une catégorie sur le même personnage, à la fois LOE, d'accord ? De par Freezer, plus... Saiyan, famille Goku, voilà, de part Goku, donc un personnage que tu peux vraiment caler dans pas mal de teams, et ça peut être cool, même si maintenant il y a le système de leader, voilà, tu mets un leader, etc. Mais bon, il y aurait vraiment moyen de concocter une synergie vraiment très intéressante avec ce genre de cartes, et je pense que là, actuellement, ils vont commencer à accentuer et à pousser un peu plus le bouchon plus loin, on va dire ça comme ça, au niveau des cartes tag. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, hein, franchement. Ouais, franchement. Et moi j'ai une petite question. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Dragon Ball Heroes, c'est la même quoi. Dragon Ball Heroes. Ouais, dans le jeu, il n'y a pas. Ah, la collab super ouais. Dragon Ball Heroes. Ah oui, ouais. Parce que ça y est, dans Dokkan, on l'a. Alors, si on doit se souvenir ce qui avait été fait, c'est que Dragon Ball Legends avait signé un contrat, il y a de ça un an ou deux, avec Super Dragon Ball Heroes. Ils avaient inclus Shallot dans le jeu Super Dragon Ball Heroes. Donc normalement, ils doivent se rendre là pareil, parce que après ça reste Bandai Namco. Donc tôt ou tard, c'est sûr, on aura une collab Super Dragon Ball Heroes, mais quand ? Parce que actuellement, en fait, il y a un contrat, entre guillemets, exclusif avec Dokkan. Donc est-ce que là, la fin du contrat s'arrête fin 2022 et qu'ensuite, en 2023, on va avoir cette fameuse collab avec Super Dragon Ball Heroes ? Ça, c'est une possibilité. Mais j'avoue que ça, genre jouer Badak SSJ4, Broly SSJ4... Vegeto et SSJ4, oh là là. Rien pour le gameplay. Oh. C'est un gameplay tout nouveau. Ah ouais, ah ouais, c'est là. C'est des attaques qu'on connaît pas spécialement aussi. Ah de ouf. Ça, moi franchement, ça, même si c'est pas, c'est du fan service un petit peu. Ah bien sûr, c'est, non, bah, valide, c'est du fan service, mais pour jouer dans un jeu vidéo, on est là pour se faire plaisir. Exactement. Donc voilà les amis, bah écoutez, on a fait le tour de ce Legends Festival, dites-nous aussi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, ce que vous attendez, si vous êtes d'accord avec nous pour avoir un tag SSJ4 LF accompagné d'un super baby qui se transforme en Otzaru à la fin pour le LF, ça serait vraiment stylé de fou, avec également un Vegeto Ultra ou même, pourquoi pas, un Gohan SSJ2 Ultra. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes demandent le Gohan SSJ2 Ultra. Et puis ensuite, en troisième partie, plus dans du Dragon Ball Super avec le tag Goku Freezer de la fin du tournoi du pouvoir. Voilà, max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Vous retrouverez également la chaîne de TalriWar dans la description de cette vidéo. Avec grand, grand plaisir. Et sur ce, les amis, n'oubliez pas... Ah oui, effectivement, n'oubliez pas, on est à la Paris Games Week. Les gars, d'accord ? Donc n'hésitez pas, samedi, dimanche, tout ça, il y aura même les cases et tout. Vous pouvez venir nous y retrouver. Et comme d'habitude, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.